Donc nous sommes biaisés. Donc ça veut dire qu'il y a probablement encore des centaines de galaxies satellites qui attendent d'être découvertes. Et là, encore une fois, les amateurs peuvent avoir un rôle majeur parce que les instruments professionnels ne sont pas adaptés. Pourquoi ? Parce que nous avons été obsédés dans l'histoire du télescope par avoir des diamètres de plus en plus grands pour collecter de plus en plus de photons. Mais en même temps, nous avons été obsédés par des grandes focales pour pouvoir collecter tous les photons dans des pixels de plus en plus petits. Donc c'est pour ça que les télescopes actuels ont des rapports F sur D de 20, 40, énormes. C'est logique, on veut voir des choses très faibles, très lointaines et très petites. Du coup, on est biaisé par des objets qui sont très grands, très étendus et très proches. Et donc c'est ceux qui vont voir des brillances de surface énormes, mais nos méthodes actuelles sont biaisées. C'est pour ça qu'on est en train de trouver des collaborations avec des gros téléobjectifs pour essayer de trouver ces satellites-là. Et puis là, on est en train d'envoyer une proposition au CNES pour faire un satellite qui essaiera de détecter cela dans quelques années. Donc il y a beaucoup de choses encore à découvrir dans notre banlieue. Oui, j'arrive, je vous... Ce que vous avez fait là pour M31, je pense que ça ne peut pas être fait pour la galaxie la plus proche après M31, c'est trop loin. Le proche, c'est M33, qui est juste à côté, c'est pratiquement la même distance. Oui, non mais... Voilà. Alors, si on va plus loin, il nous faut des ELT dans l'infrarouge. Oui, et le problème, c'est que là, les champs vont être très petits. Donc faire un sondage de plusieurs centaines de degrés carrés, ça va prendre un temps fou, et il n'aura jamais le temps. Bien entendu. Donc ce n'est pas efficace. C'est pour ça qu'on est en train d'atteindre des limites, des brillances de surface en comptant d'étoiles. Il va falloir passer à la mesure classique d'un petit contraste de brillance de surface par rapport au fond du ciel. Une question, vous parlez toujours de galaxies satellites. C'est une question de mots. Est-ce que, comment on distingue les galaxies satellites de simples amas globulaires? Ah non, voilà, tout à fait. Il y a des grosses différences morphologiques. Les amas globulaires, là on ne les voit pas parce que c'est des images encore avec une seconde arc de signe. Lorsqu'on regarde avec HST, on voit que c'est vraiment des amas globulaires avec des profils de luminosité qu'on appelle de King et autres. Donc on sait distinguer un noyau d'amas globulaires d'une galaxie satellite comme celle-ci. Donc d'abord elle est beaucoup plus étendue et le profil de luminosité est totalement différent. Ceci dit, comme je le disais auparavant, il est possible que cette galaxie-là est en train de tomber sur M31, elle va produire une espèce de queue de marée, et ce qui va rester comme noyau, ça va être un amas globulaire. Donc il y a un lien entre les deux. Alors ceci, entre les galaxies satellites, la plupart sont des galaxies de ce type-là, ou celui-ci, avec des étoiles vieilles, rouges. Il y a d'autres galaxies satellites, comme les nuages de Magellan, qui sont exactement le contraire, des étoiles très très jeunes, donc des galaxies très bleues. Mais c'est plutôt la minorité. La plupart sont des galaxies plutôt vieilles, plutôt rouges. On peut peut-être essayer de revoir l'animation. Laquelle ? Je pense que c'est celle où Andromède se précipite vers nous. C'est ça qui vous intéresse le plus ? Oui ? Ah, ou celle où quand le plan tourne, oui. Donc on voit ici Andromède qui n'est pas ici, comme c'est une projection sur tout le ciel, elle va sortir par là, mais elle va réapparaître par ici. Jean-Pierre, tu peux éteindre cette lumière peut-être ? Je ne peux pas faire... Pas celle-là ? Ah oui, la lumière de... Oui. Ah oui. C'est le bouton du bas, l'interrupteur, voilà. On ne peut pas faire mieux que ça. C'est bien, mais... Vous voyez que la déformation, par pur effet de gravitation, n'est pas tout à fait symétrique. On voit l'énorme disque qui va se produire dans le 31. Voilà. On part vers l'extérieur de notre galaxie. Andromède réapparaît avec des énormes bras spiraux qui sont en fait produits par l'effet de marée. Et là, notre voyage gratuit au bulbe, on repasse de l'autre côté de notre galaxie. Un sacré voyage. Bon, ça a un peu accéléré, là. Hein. Donc,
ce qui est intéressant, c'est que bon, ça c'est le point de vue depuis une particule qui soit comme le Soleil, mais cette interaction-là, on la voit sur quelques milliards d'années, on la voit dans d'autres images de galaxies en interaction. Donc c'est quelque chose qui, lorsque j'étais encore en DEA à Meudon, on apprenait que les galaxies étaient elliptiques ou spirales, bon, elles restaient comme ça. Et maintenant, le nouveau paradigme montre qu'il y a transformation morphologique des galaxies. C'est-à-dire, les galaxies elliptiques peuvent accréter du gaz, devenir des galaxies spirales. Les spirales peuvent perdre leur gaz, devenir des elliptiques. Donc, la morphologie d'une galaxie est une propriété transiente. Ce n'est pas quelque chose qui est inné chez les galaxies. Donc, pareil, ça serait une autre grande conférence sur les types morphologiques et comment ils évoluent en fonction de l'âge de la galaxie. C'est toute la partie d'astrophysique d'évolution de galaxies qui a changé énormément ces 10 dernières années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va lever la séance. On va remercier David Valscabo. J'ai bien noté qu'il viendra nous présenter l'évolution et la forme des galaxies un de ces jours. Il vient d'en faire la proposition. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous le 13 mars, dans un mois exactement, avec Jean-Pierre Luminet qui nous parlera d'astéroïdes et de la Terre en danger. Voilà, bonne soirée.